aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau vlog. On est le 5 juin et donc j'avais décidé de vous emmener avec moi dans ma journée pour me motiver. En fait, je trouve ça motivant de vlogger et de faire des choses puisque là c'est un temps un peu gris, comme je vous avais dit, donc il fait pas très beau, donc c'est pas super motivant et tout pour le moral, mais j'ai quand même envie d'être productif et de passer une bonne journée. Donc là, ce que vous venez de me voir faire, c'est tout simplement d'organiser ma journée dans mon bullet journal. Donc chaque jour je me fais ma petite to-do list du jour. Des fois je le fais la veille, mais là je l'avais pas fait, donc je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui c'est officiellement mon premier jour de vacances, donc je suis trop contente. J'espère que ça va être cool, tout simplement. Donc là, la première chose qui se passe aujourd'hui dans ma journée, c'est tout simplement qu'une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne. Alors je sais, on est vendredi, mais c'est un peu une vidéo bonus. En fait, c'est un petit projet qu'on avait fait avec ma petite sœur il y a assez longtemps, qui devait sortir au mois de mars. Mais pour les raisons que vous connaissez, on n'a pas pu le sortir, donc on l'a sorti que là. Puisque aujourd'hui, nous sommes la journée internationale de l'environnement, et donc ça rentrait bien dans le thème. Donc voilà, si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir dans mes dernières vidéos, vous devrez trouver assez facilement. Donc voilà, donc là ce matin je me suis occupée de ça, j'ai vérifié que la vidéo est bien en ligne et que tout soit parfait. J'ai mis donc les fiches produits sur ma boutique Etsy, donc voilà, ça c'est fait. Donc là tout est fait pour ça. Donc c'était la première chose que je devais faire aujourd'hui, donc je suis contente de l'avoir fait. Et voilà, donc j'espère que ce petit vlog d'une journée un petit peu avec moi, voilà, tranquille, va vous plaire. Et sur ce, c'est parti, on va tout de suite commencer la journée puisqu'il est déjà 10h15 du coup. Mais voilà, je m'ai dormi jusqu'à 9h30, donc c'est cool parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant dormi. Donc, voilà. Et donc la première chose que je vais faire, comme je l'ai dit, mon but c'est vraiment là, pendant les 15 prochains jours, de vraiment m'avancer dans mes vidéos, etc. Donc là, le programme d'aujourd'hui, c'est de monter ma vidéo atelier tour que j'ai filmée donc lundi. Voilà, je vous avais dit dans le vlog que je l'avais tournée. Donc là, ça va être de la montée. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait un petit peu ça hier soir, mais j'ai pas du tout fini, hein, c'est que le début. Donc voilà, je vais essayer de la monter aujourd'hui et de la finir, ça serait vraiment cool. Voilà, c'est ça une des choses dont je parlais que je pouvais faire en mauvais temps, puisque bon, voilà, c'est juste du travail sur l'ordi, ça fait partie de la suite, hein, pour faire une vidéo, faut bien la monter. Donc c'est parti, je vais faire ça, je vais essayer de faire ça pendant peut-être une heure, je vais voir. Bon, là il est 11h15, j'allais arrêter le montage parce que j'avais monté toute la base et je voulais juste regarder le début. Et là vous pouvez voir que ça bug en fait carrément. Donc je sais pas, bon, c'est pas mon ordi parce que j'ai essayé de l'éteindre et tout, c'est pas du tout mon ordi qui bug, c'est vraiment le logiciel. Ça m'arrive rarement mais c'est hyper pénible parce que là je peux rien faire parce que j'essaie de cliquer là, je peux pas en fait. Donc c'est hyper pénible, je sais pas comment je vais me débrouiller parce que j'aimerais bien quand même fermer ça et pas laisser ça comme ça. Et oui, faites pas attention au titre, c'est pas le bon titre de la vidéo. Voilà, mais je sais pas, je vais essayer de, ça m'énerve là. Je vais essayer de réteindre vraiment mon ordi, mais je sais pas comment faire. Donc finalement, pour mon problème d'ordinateur, c'est réglé, je l'ai éteint, etc. Et c'est bon maintenant. Tout mon projet a bien été enregistré, sinon ça aurait été embêtant de recommencer tout le montage que je venais de faire. Mais maintenant, je me fais plus avoir, j'enregistre régulièrement mon travail. Voilà, donc là, il est 11h20. Ce midi, je vais manger avec des amis. Donc voilà, je vais pas vous filmer ça, hein, mais du coup, je sors ce midi. De plus, sur ma to-do list, je me suis aperçue qu'il y a un truc que je voulais faire, mais que je vais pas pouvoir faire. En fait, je voulais filmer une intro de vidéo, mais ça va pas être possible puisque sans faire exprès, ma soeur il y a quelques jours elle a cassé une ampoule d'un de mes projecteurs. Voilà, faut savoir que mes projecteurs je les ai depuis 4 ans, 3-4 ans, donc franchement ils ont bien tenu. Et bon, sans faire exprès, il est tombé et voilà. Donc j'ai racheté des ampoules, mais bon, ça, le temps que ça arrive, je les ai pas encore reçues. Donc je peux pas filmer qu'avec un projecteur parce que la lumière serait vraiment pas belle. Donc je vais pas faire ça vraiment, je vais, tant pis, je ferai un autre jour. C'est pas très grave, normalement je crois que je les reçois demain ou lundi. Donc c'est pas grave, c'est pas un truc urgent de toute façon. Voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire finalement. Je vais essayer de regarder un petit peu ce que je vais faire cet après-midi. Et nous on se retrouve je pense après manger, puisque là je vais pas tarder à rejoindre mes amis. Donc voilà. Non mais c'est trop triste, il est 11h30
On est en milieu de journée et il fait tellement moche que je dois allumer ma lumière, sinon il fait vraiment noir. C'est trop triste, vraiment, ça met trop dans un bad mood. C'est trop triste, ça me démotive et tout, vraiment, ce temps, sachant qu'il a fait tellement beau quand j'étais en partiel et en révision, je suis dégoûtée. Mais bon, on va faire avec, je vais essayer de me remotiver là en voyant mes amis, j'espère que ça va me motiver. Et d'ailleurs, regardez, j'ai mis cette photo là, c'est celle avec Stella qu'on avait pris chez elle. Et du coup, je l'ai mis ici parce que ça me rappelle des beaux souvenirs. Voilà. Mais du coup, là, en attendant mon ami qui va arriver me chercher parce qu'on va pas y aller à 30 000 voitures, j'écoute un podcast. Voilà, je commence à me mettre au podcast et c'est vraiment super intéressant. Enfin, c'est cool, je trouve. Et du coup, en attendant, je vais organiser mon bullet journal. Enfin, vous savez, je fais des semaines par semaine. Donc là, je vais faire la prochaine semaine. Voilà, si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo. Vous voyez, j'ai mis... Voilà, mon bullet journal du mois de juin. Si ça vous intéresse, allez voir, j'ai fait une vidéo dessus de toute façon. Mais du coup, voilà, je vais faire ça là parce que je. En attendant quoi. Je suis toujours en avance, voilà, je suis team en avance. Je sais pas vous, quand vous voyez vos amis ou autres, si vous êtes plus dans la team en avance ou en retard. Ou pile à l'heure. Moi, je suis vraiment team avance, je suis toujours près de 3000 ans en avance. Donc voilà, bon bah du coup, je vais faire ça. Salut, donc on se retrouve, il est. 16h, voilà, ça fait déjà une heure ou deux que je suis rentrée de ma petite sortie avec mes potes, c'était vraiment sympa. Mais du coup, quand je suis rentrée, en fait, j'ai fait du montage puisque j'étais motivée et j'ai enfin fini normalement le montage de mon atelier tour. Et comme vous pouvez voir, la tête du montage, vous comprenez un petit peu l'idée. Voilà, vraiment, j'ai essayé de faire un truc tellement bien et que tout soit parfait, j'ai fait des animations etc, enfin vous verrez quand vous verrez la vidéo, donc c'est à dire fin juin. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager parce que ça fait quand même un sacré, sacré montage, j'ai envie de dire. Donc j'ai trop hâte. Donc là je vais l'exporter du logiciel de montage. Je la re-regarderai parce qu'en fait je la regarde toujours une fois qu'elle est exportée pour voir que tout est bien, tout est nickel. Et après ben, je la exporterai sur YouTube tout simplement. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir fini. Franchement c'est une bonne chose de faite sur ma to-do list. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de planifier mes vidéos et de faire quelque chose de bien. De prendre mon temps mais en même temps de prendre de l'avance. Je sais pas si vous comprenez. Mais voilà, donc je suis trop contente, c'est une bonne chose de faite. Et du coup j'ai essayé de faire une petite miniature comme ça et franchement je la trouve assez sympa. Après je sais pas si lorsque la vidéo sortira vous aurez cette miniature parce que des fois je change en fait d'avis et ça me plaît plus. Bien, j'essaie vraiment de trouver mon style de miniature parce que j'ai remarqué que sur ma chaîne en fait ça faisait pas harmonieux. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien essayer de trouver pour cet été. Donc voilà. Donc là je suis en train d'avance travailler sur mon prochain restock Etsy, voilà, qui sortira sûrement début juillet. Mais je commence maintenant parce qu'en fait bah pour le moment comme je vous l'ai dit je peux pas vraiment filmer vidéo parce que j'ai pas de projecteur et il fait pas beau, donc voilà je peux pas faire de vidéo, donc en attendant je fais ça du coup. Et du coup là je suis en train de faire les nouveaux charms qu'il y aura donc sur ma boutique, voilà c'est quelque chose que vous voyez en avant-première du coup. Et je voulais vous parler de ma colle que j'utilise pour mes bijoux parce que vous êtes plusieurs à me la demander. Donc alors là elle vient juste d'exploser parce que c'est la fin. Bon, vu qu'elle était presque vide c'est pas très grave, sinon j'en ai racheté une autre. Mais je vais vous montrer juste parce que beaucoup me demandent du coup, c'est celle-ci. C'est la scotch extra forte et j'ai jamais eu de problème avec elle. Surtout que ce qui est bien c'est qu'on peut la trouver facilement dans les grandes surfaces style Leclerc, moi c'est là-bas que je l'achète. Et elle est pas très chère, je crois qu'elle me coûte 1,50€, 2€. Donc vous voyez c'est vraiment bien comme colle et j'ai jamais eu de problème. Genre vraiment mes créations tiennent très bien. Là vous voyez j'ai collé la tige à œil dessus et vous voyez je tire dessus mes forces et ça tombe pas. Donc c'est vraiment cool. Écoutez, je vais profiter du petit rayon de soleil qu'il y a pour finir un peu. Je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire, mais je me dis c'est l'occasion. Voilà, je sais pas trop comment, quel temps on va faire cette semaine. Et vraiment, je tiens à ce qu'il fasse beau pour pouvoir filmer les vidéos de cet été, sachant que bah, j'ai toujours qu'un projecteur pour le moment. Donc voilà, ouais, je peux pas filmer d'autres vidéos sans le soleil. Donc bah, c'est parti, je vais en profiter pour filmer. Donc let's go, et ça me fait trop du bien de revoir un petit peu le soleil. Thank you.
suis un peu dégoûtée, du coup je viens d'essayer de filmer une vidéo, enfin filmer des plans pour une vidéo, et je suis un peu deg parce que bah, en fait ça rend pas bien du tout en fait, étant donné que j'ai qu'un projecteur et vraiment on voit l'ombre et c'est vraiment moche, et le but c'est pas de faire des vidéos moches, hein, vous savez que j'essaye toujours de que ça soit de bonne qualité, donc pour moi c'est pas dans le standing de ce que je vous propose, donc je vais pas filmer là même s'il y a un peu de soleil, tant pis, je vais quand même attendre de recevoir mon deuxième projecteur du coup que j'ai commandé sur Amazon, voilà ce sera beaucoup plus simple, mais ce que je vais faire du coup pour essayer quand même de faire avancer le Schmidblick, c'est de préparer tout ce que je peux préparer pour filmer des vidéos, c'est-à-dire de faire la préparation. J'ai déjà les idées, mais j'en préparais. Par exemple, je vais vous faire un petit spoiler. Cet été, je compte vous faire une vidéo où je vous présente des bijoux d'été. Ça vous a beaucoup plu l'année dernière et on m'a pas mal redemandé de la refaire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais préparer dans des petites coupelles tout le matériel qu'il faut pour un bijou. Comme ça, ce sera quelque chose en moins que j'aurai à faire lorsque je pourrai filmer. Donc ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là. Du coup, bah, c'est parti. Bah écoutez, finalement, heureusement que j'ai pas commencé à filmer puisqu'il se met déjà à pleuvoir et il fait déjà tout sombre. Je sais pas si trop ça va se voir, si ça va trop se voir, mais voilà. Écoutez, finalement c'était le destin que je ne puisse pas filmer aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas grave, je prépare tranquillement la vidéo, enfin plusieurs vidéos comme ça. Et ce sera toujours ça de fait. Donc voilà, mais ce temps est vraiment déprimant, voilà, dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Et si chez vous il fait beau ou pas, ou c'est mitigé. Moi en ce moment, bah, comme je l'ai dit, il fait vraiment pas beau. Et déjà c'est hyper démotivant, c'est triste et moi ça me saoule parce que vraiment je voulais trop filmer plein de vidéos d'été et tout. Donc voilà, j'ai hâte qu'il fasse beau pour que je puisse vous filmer tout ça parce que j'ai trop hâte, bah, de filmer ces vidéos là. Et voilà, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire. Voilà, donc bah écoutez, moi c'est la fin de cette première semaine de juin. J'espère que la prochaine sera encore mieux parce que c'est vrai que bah, c'était pas non plus une semaine hyper fun pour plein de raisons. Mais voilà, j'essaie quand même de vous partager de la positivité sur ma chaîne. Et voilà, j'espère que la semaine prochaine sera mieux tout simplement. Après, je sais qu'il fait pas beau encore et vraiment je suis dégoûtée, mais... Si vous savez à quel point je suis en mode non quoi, grosse blague, il a fait beau pendant toutes mes révisions, tout le mois de mai, et là j'ai plus de partiels, j'ai plus de cours et... Bref, voilà, donc sur ce on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, bisous!